Russian cosmonaut. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans mon nouveau weekly vlog. Donc on est à Center Park avec la MIF, voilà le petit décor derrière. Mais il fait pas très beau, donc c'est pour ça que la luminosité est pas ouf, je m'excuse pour ça. Cette semaine je vais un peu vous emporter dans une semaine productive en vacances avec moi parce que je dois vraiment bosser, j'ai plein de trucs à faire et des trucs assez chiants. Parce que la semaine prochaine je pars en formation BAFA, donc je pourrais clairement pas bosser. Et donc voilà, ça va être galère, mais on va le faire. Donc là je suis en train de faire un DM de Géo, j'y arrive vraiment pas, genre c'est la mort. Et bref. Donc voilà, j'espère que ce weekly vlog vous aura plu et vous inspirera un minimum. Goes up in this big spaceship. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, on est mardi. Désolée pour le vent, il fait un peu froid, mais voilà, c'est cool, enfin on a une trop belle vue. Je vais rentrer pour vous expliquer parce que là on va pas m'entendre, je pense. Aujourd'hui, je vais finir mon montage, donc on est allé à la piscine ce matin, c'est pour ça que je suis un peu mouillée. Je vais finir mon montage, puis, enfin en fait j'ai fini, il faut que je l'exporte, il faut que je mette en ligne, il faut que je fasse les miniatures et je vais essayer de finir ma compo d'histoire. Voilà, j'ai beaucoup de choses à faire parce qu'il faut aussi que je révise pour mon code. Je suis vraiment en retard, enfin je révise pas beaucoup et il faut vraiment que je l'ai dans pas longtemps, donc voilà. Goes up in this big spaceship. And he's got this portal window. And he sees the curvature of the earth. Coucou tout le monde, alors je crois qu'on va faire une petite séance mukbang. Je sais pas vous, mais moi c'est ce que je préfère faire. Bref, voici mes tartines pour le goûter. Voici mes tartines, mon café et tout, et puis je vais vous parler un petit peu. Oh, oh. Ça c'est trop et c'est chaud. Ah. En gros, ce matin on est allé à la piscine. Cet après-midi pour l'instant j'ai rien fait, il est quelle heure? Il est 16h. En fait... c'est assez paradoxal, mais j'aime bien mes vacances, mais en même temps je déteste ça. Pourquoi? Parce que je déteste dans ma vie me sentir inutile. Enfin, genre j'ai vraiment l'impression que pendant les vacances je fais rien de productif. Pendant les cours je suis vraiment à fond, je fais plein de trucs parce que j'ai pas le choix, enfin je dois rendre mes cours et tout et tout. Et pendant les vacances, j'arrive pas en fait. Là je me dis... au lieu d'être sur mon téléphone, j'aurais pu faire tellement de trucs, être 10 fois plus productive, j'aurais pu réviser, je sais pas, pour mes concours à la fin de l'année, enfin je sais pas. Et en fait, je le fais pas et ça me rend carrément coupable. Pareil, le sport, genre pendant les vacances, je sais pas, enfin je sais que je suis pas la seule, je tournais tous à regarder des séries, à rien faire, mais je sais pas, ça me rend tellement coupable. Et j'ai tellement l'impression d'être inutile, je sais pas si vous me comprenez. Bref, au moins que je finisse mon travail, parce que la semaine prochaine, je serai tellement à fond. En plus, j'ai eu des problèmes avec mon BAFA, enfin la validation de mon BAFA, bref. J'ai l'impression que tous les trucs de la vie adulte, c'est tellement d'emmerde et tellement de paperasse. Enfin, je sais pas comment vous faites les adultes, dites-moi. C'est horrible. Bref, ça me fait bizarre parce que j'ai l'impression que je parle seule, genre. J'aimerais bien que vous puissiez me répondre, mais
C'est le concept de YouTube, quoi. Je vais peut-être mettre cette vidéo en première diffusion. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est-à-dire qu'on peut chatter en même temps. Genre, je sais que j'ai pas assez d'abonnés pour que il y ait beaucoup de gens qui chattent et qui regardent la vidéo en direct, mais je trouve ça cool, j'ai envie de tester cette nouvelle fonctionnalité, donc je pense que cette vidéo sera en direct. Je vais continuer de manger, je vais me bouger les fesses et je vais bosser. Et aussi, par contre, d'un point de vue YouTube, genre j'ai tourné pas mal de vidéos. Je vais aller en tourner une encore tout à l'heure. Bref, je prépare du contenu pour au moment de la rentrée être à fond et pas avoir de faire besoin de tourner tout le temps des vidéos. Ah. C'est en 2077, ça fait longtemps que j'ai pas vu ma mère. Hello tout le monde, je vous retrouve avec une tête écœurante. Genre vraiment, je viens de faire une séance de sport. J'ai fait une vidéo de Sissi Mua et le début d'une autre vidéo parce que je voulais vraiment me pousser au bout de mes limites. Et je vous mettrai le lien de la chaîne de la fille en barre d'infos. Franchement, c'est pas mal. Genre, il n'y a pas énormément de gens qui font des séances de sport. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresserait? Parce que j'ai pas mal d'amis qui font vraiment du sport au niveau compète, enfin France et tout. Que genre, je fasse des petites vidéos où je fais des séances de sport avec eux. Après, ce sera pas des professionnels, mais voilà quoi, c'est mieux que rien et ça pourrait être grave cool. Enfin bref. Et là, je vais aller prendre ma douche parce que je suis vraiment au bout de ma vie, genre. J'attends déjà que la folie m'arrête, man. J'ai plus le temps pour fumer la verte. Yeah, 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 yeah. Océan 2077, ça fait longtemps que j'ai pas vu ma mère. J'attends déjà que la folie m'arrête. Yeah, je suis dans cette chute depuis longtemps. Les gars, évidemment, je veux prier. C'est pour mon partenariat, même si j'aimerais bien, mais non. Personne ne veut collaborer avec Bob Street. Donc, en gros, les gens ils viennent de passer devant la fenêtre, c'était gênant. Je vous parlais de l'application Quizlet. C'est une meuf de notre classe. Qui l'utilisait et donc genre elle a un peu converti tout le monde. C'est hyper pratique pour apprendre les mots de vocabulaire en anglais, en espagnol et tout parce qu'on a la dose de mots de vocabulaire et c'est hyper chiant, enfin on va pas se mentir, c'est insupportable. Donc en gros tu rentres tes mots et à chaque fois ils te les font apprendre, ils te les font réviser et ils connaissent tes faiblesses et franchement ça, enfin c'est super cool, je viens de commencer donc je vous conseille vraiment, c'est ludique et voilà. Ah. Hello tout le monde, on est vendredi, on a quitté Center Park parce que demain je pars en stage BAFA, donc il fallait qu'on se rapproche de Lille parce que je pars près de Lille. Et on est dans une sorte de loft en gros. Oh, je monte les escaliers. Et je sais pas, c'est un grand loft qui est trop stylé. Genre j'aimerais trop avoir un truc comme ça plus tard, mélanger un peu un style chalet. Je vous montrerai ça tout à l'heure parce que c'est vraiment magnifique genre. Et voilà, et donc là on va aller se promener, je vais peut-être faire un montage parce que je pense qu'à la rentrée je vais pas avoir énormément de temps pour mes vidéos. Voilà. Après le temps, si jamais je pouvais l'attraper, y'a plus grand chose qui me fait saliver. À l'horizontale et sablier, j'essaie de faire en sorte que les planètes s'alignent pendant qu'elle parle de saline. Non, j'avance avec mes homies, y'a plus le temps de jouer les mômes. Faut saisir ce moment, les mains dans la poche du hoodie. Les mains dans la poche du hoodie, je pense à la coupe son bout. Hello tout le monde, on est samedi et aujourd'hui en fait je me suis préparée parce que je pars en stage BAFA, c'est-à-dire que je vais camper une semaine dans la nature, youpi. Je voulais juste vous montrer vite fait le loft. En gros, c'est un immense truc, donc quand on arrive, c'est comme ça. Alors, il y a la cuisine, mais ça ressemble vraiment à Gossip Girl. Après, c'est pas énormément aménagé, mais bon, c'est un Airbnb. Et je vais pas tout vous montrer, mais en gros, il y a deux étages qui ont à peu près la même forme. Et voilà, enfin bref, je vais pas tout vous montrer parce que flemme, c'est grand, mais voilà, c'est cool.
Bon, je vais clôturer mon weekly vlog ici parce que je vais passer au scout et en plus, là, je vais vraiment préparer mes affaires. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura inspiré. J'essaie d'être productive cette semaine, donc voilà. Bref, j'ai mal aux jambes, donc bye, bye.